côté chartrain, il y aura peut-être d'ailleurs un petit esprit revanchard, on peut le dire, suite au match complètement fou, complètement dingue de Coupe de la Ligue. C'était il y a 2 semaines, victoire de Créteil après prolongation et jet de 7 mètres il y a 2 semaines. Pourquoi pas aller voilà, revenir un petit peu dans ce combat mental. Pedersen, peut-être il va chercher le shoot et directement, eh bien la lucarne. Et le deuxième but de Chartrain, ça va vite. 3 buts déjà en 2 minutes. Ah, la belle récupération. Il l'avait vu venir. Et il va affronter Dylan Soyer. Avec Sergei Koudinov, ça remonte rapidement hein, côté cristolien. Peut-être y aller au shoot lointain qui vient taper le poteau de Julien Meyer. Ça revient! Juste avant pour Créteil, Sissoko à nouveau qui trouve Aman. Ah, ça commence à s'accélérer tout doucement. Le 5e but cristolien du côté de Créteil pour aller chercher les buts. Il suffit d'en parler pour que, eh bien, Giblin. Ah, il en trouve. Au pivot, il a le temps de se retourner. D'Adrien Figueras, bien sûr. Oh, celui-là, il est parti. Il a failli prendre son impulsion, la Paredes. Non, plutôt Ratz. Paredes encore une fois. Ah oui, dans cette première période, les Chartrains à nouveau à l'attaque. Et l'arrêt de Dylan Soyer sur ce face-à-face face à Fanny Alic. Peut-être y aller, ça recroise. Et Onufrienko qui vient aligner Dylan Soyer. Sissoko, ah oui là-bas. Vous avez vu cette magnifique feinte. Bien trouvé là, c'est Babic je crois. Oui, Dinov encore une fois. Essaie de trouver la faille et il trouve les filets justement de Jandrić. Il vient chercher la belle lucarne là. Chartrain encore une fois l'attaque. Ah dommage, il a failli. Sissoko qui fait parler encore une fois sa vivacité, qui vient à trouver hein. Vérin, ah, et en plus qui vient chercher le shoot, qui vient taper la cuisse du gardien et ça rentre. Sissoko avec Pilar. Oh oui, alors celui-là. Vérin, le shoot lointain qui passe sous la transversale. Le gardien n'a même pas bougé. Ça arrive jusqu'à l'aile gauche et ça va au fond. Le 22e but. Et puis il y a le zap mensuellement le mercredi. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait la Figueras. Récupération. 360 shoot dans le dos. Incroyable. Coup de génie. Bien bougé Giblin. Giblin qui passe le bras et qui vient chercher les filets là de Julien Meyer. Jonas Poignant qui essaye de faire le taf là. Et Sissoko hein. Et encore une fois, oui, un parpaing de plus sur le mur du gardien Chartrain. Il ne passera plus rien. Les Chartrains l'attaquent pour ces dernières minutes. Il a été trouvé au pivot avec un gardien de feu, hein, Julien Meyer. Sissoko encore une fois. Et pour soigner les stats d'un Julien Meyer, incroyable ce soir. Une très belle victoire pour les Chartrains ce soir. 35 à 29. 1 plus 6 qui tient depuis la 20e minute de jeu. Les Cristoliens n'ont pas trouvé la faille dans cette défense chartraine bien en place.